Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui. Est-ce qu'on a des mamans dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. On veut vous voir. Hey, on a plusieurs mamans. Hey, bravo. Félicitations, maman, chère maman. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse cette matinée. Évidemment, vous êtes des mamans à longueur d'année, à n'importe quelle heure, pour le reste de votre vie. Et puis, on voulait vous honorer ce matin. On est content de vous avoir parmi nous, puis on veut vous souhaiter du bon temps. Je ne sais pas si vous allez passer du temps avec vos enfants au courant de l'après-midi, mais on vous souhaite ce bon temps, particulièrement dans cette journée, justement, de la fête des mères. Régime protéiné, on est à la partie numéro 11 ce matin. Si vous avez manqué les précédentes, c'est pas grave, on a l'occasion de voir ce que Dieu a à nous dire à travers l'épître de Paul aux Colossiens. Colosse était une ville où il y avait une église et puis Dieu avait un message pour cette église-là, comme il a un message pour nous aujourd'hui encore, pour nous encourager à grandir et puis à pas seulement vieillir dans la foi, pas seulement vieillir dans notre vie chrétienne, mais à devenir grand, à devenir mature. Et c'est ça le but de la série qu'on est en train de faire présentement. Régime protéiné, c'est pas des conseils. Vous vous êtes fait donner une pomme ce matin. Est-ce que vous avez une pomme? Levez la pomme si vous l'avez. Est-ce que tout le monde a une pomme ce matin? On les donne tout à fait gratuitement. Là, si vous n'en avez pas, là, j'aimerais ça que vous en ayez une. Je ne vous forcerai pas à la manger, sinon presque pas. Fait que si vous en voulez, là, vous pouvez simplement lever la main. Il y a des gens qui distribuent les pommes ce matin. Fait que c'est pas l'objectif n'est pas de vous donner des conseils de nutrition. Si vous avez envie de commencer à manger votre pomme, il n'y a pas de problème. Allez-y librement. Mais l'occasion que je veux saisir avec la pomme dans le thème de régime protéiné, souvent la pomme est un symbole de santé. C'est un symbole d'un ingrédient, un fruit qui apporte la santé. Quand je vais dans ma clinique, tout près de chez moi, il y a une clinique, et puis quand on monte la clinique, quand on monte les marches, ça dit une pomme par jour éloigne les médecins. C'est un adage qu'on a ici. Et puis, puis c'est intéressant, même que les propres médecins eux-mêmes le disent, avant qu'on arrive dans leur clinique, mangez des pommes, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, Marc-Claude. Donc, ce matin, je vais vous expliquer pourquoi je vous donne une pomme dans quelques instants. Mais on a vu précédemment dans la série Régime protéiné, dans les textes précédents, on est rendu au chapitre 3 de Colossiens. On va conclure bientôt. Il nous reste trois discours, incluant celui-ci de ce matin, pour conclure le livre au complet de Colossiens. On va l'avoir lu au complet, on l'aura commenté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez manqué des précédentes, il faut aller les revoir aussi sur Internet, sur notre site web. Précédemment, dans les séries, dans les discours précédents, on a vu l'importance, par exemple, dans le chapitre 3, de se désintoxifier, de se désintoxiquer, plutôt, de tout ce qui nous fait, qui nous rend spirituellement malades. On a besoin que ces choses-là sortent de nos vies. Puis, une expression qui était donnée dans Colossiens, c'était de se dévêtir, d'abandonner certaines habitudes qui nous rendent malades dans notre marche avec Dieu. Et Tim poursuivait la semaine passée avec l'importance de se revêtir. Donc, on abandonne certaines habitudes pour en pratiquer des nouvelles aussi, c'est-à-dire ce nouvel homme, cette nouvelle nature que Dieu nous donne. Mais Dieu nous dit, bien, maintenant, pratiquez les nouvelles œuvres, les belles et bonnes œuvres. Donc, si on n'est pas sauvé à cause du bien que l'on fait, Dieu nous transforme nos vies pour qu'on puisse maintenant avoir cette nouvelle façon de faire et ces nouvelles œuvres que l'on peut faire. Ce qu'on appelle pomme est appelé par son nom scientifique, si on peut mettre l'image, Malus X domestica de la famille des rosacées, communément appelé une pomme. Hein, tout le monde, on a déjà mangé une pomme, et je partageais à ma femme récemment, je ne sais pas que c'est qui ont les pommes ces temps-ci, mais elles sont particulièrement bonnes. Je ne sais pas, on n'est pas en tout dans la saison des pommes en plus, mais les pommes que j'achète, ils me semblent juteuses et croquantes, et puis sont très, très savoureuses. Et
selon les recherches, la pomme va aider, par exemple, notre corps, notre système, contre les maladies cardiovasculaires, contre le cholestérol. Si vous faites du cholestérol, mangez des pommes, il semblerait qu'il y a des nutriments là-dedans qui vont vous aider avec votre cholestérol, surtout dans la pleure de ce que je lisais. J'ai aucune connaissance scientifique à cet égard-là. Je vais juste vous répéter ce que Santé Canada dit. Ça a des propriétés aussi pour lutter contre le cancer, contre l'asthme aussi. Je suis très surpris de ça. Il y a certains nutriments dans la pomme qui vont vous aider à mieux respirer. Fait que, on essaye ça. Prenez une grande respiration maintenant. Fait que vous mangerez des pommes, vous allez voir après ça. Là. C'est encore plus efficace. Fait que, contre l'asthme, ça a plein d'antioxydants. Ça a des fibres, des vitamines comme vitamine C, vitamine K, manganèse, plusieurs nutriments qui sont bons pour notre santé. Je voulais utiliser cette pomme-là ce matin pour qu'on puisse avoir cette image de la vie juteuse et croquante en Jésus-Christ. La vie que l'on peut avoir en Dieu est semblable à cette pomme qu'on a tous envie d'avoir une vie, je vais employer les qualificatifs croquantes et juteuses là, de la pomme, pour l'appliquer à notre vie en Jésus-Christ. Jésus, il vient et il dit, je suis venu pour apporter la vie, apporter cette vie en abondance. J'aimerais que vous puissiez goûter la vie que j'aimerais vous donner, que j'aimerais vous communiquer. Mais cette pomme que tu as présentement, cette vie que tu as, Dieu veut qu'elle soit croquante et juteuse. Mange ta pomme, mange-la. Au sens figuré, vous pouvez la manger pour vrai si vous voulez, là. Mais cette vie que Dieu nous donne, il veut qu'on la saisisse et puis qu'elle soit croquante et juteuse. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Mais ça, comment ça se fait? On va voir la suite du texte de Colossiens, là où on est rendu ce matin. Et puis, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que cette vie croquante et juteuse, on peut l'atteindre. On va voir deux points en particulier. On n'est pas obligé de manger le cœur, mais... C'est la première chose qu'on va voir. Et le deuxième point qu'on va voir, c'est « croque-toi pas les doigts ». Croque-toi pas les doigts. Juste avant qu'on voit ce premier point, on n'est pas obligé de manger le cœur, mais j'aimerais qu'on puisse prier, se placer devant Dieu, puis que Dieu vienne, lui, nous parler de ce qu'il a à nous dire sur sa parole avec Colossiens. Alors, prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer parce que tu es un Dieu qui mérite tout honneur, toute adoration. Tu es notre Créateur, celui qui a plaisir à nous donner la vie. Tu veux qu'on découvre cette vie en toi, Père, en nous ayant donné ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, on veut ouvrir ta parole et puis comprendre qu'est-ce que toi, tu as à nous dire, selon ta parole, pour qu'on puisse saisir ces vérités, saisir ces promesses et puisse les approprier. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Pour une vie croquante et juteuse, pas obligé de manger le cœur, mais... Qui c'est qui mange le cœur de pomme? Est-ce qu'il y en a qui font ça? Ah, j'en vois une, deux. Il semblerait qu'il y a des choses dans les pépins qu'il faut manger absolument parce que c'est bon pour la santé. Moi, je ne suis pas le genre à manger le cœur de pomme. Mais vous savez, le cœur de pomme est extrêmement important pour une pomme parce que finalement, chacune des pommes, évidemment, a un cœur. On ne tombera jamais sur une pomme qui n'a pas de cœur. Tout commence par là. C'est ce cœur qui va déterminer la nature de la pomme. C'est ce cœur qui a été donné, évidemment, par son arbre dans lequel elle a poussé, qui va déterminer si c'est une Cortland, si c'est une McIntosh, une Lobo, et qui va déterminer aussi la qualité de sa chair. Si elle est croquante, si elle est juteuse. Il n'y a pas personne qui aime manger une pomme. En tout cas, je ne penserais pas qu'il y ait du monde qui aime manger une pomme pâteuse, pas juteuse et puis chaude. Mais on aime ça pouvoir manger de ces pommes qui sont justement juteuses, croquantes. Et ça détermine, c'est déterminé à cause de son cœur. Fait que bien qu'on ne mange pas le cœur, il faut comprendre que si la pomme que l'on mange, elle est bonne, c'est à cause de d'où est-ce qu'elle provient puis de comment est-ce que son cœur, de sa nature finalement. Bien que le cœur soit invisible, qu'il soit caché, elle détermine, comme je disais, sa nature, va déterminer aussi son cœur est indispensable et qu'ils en ont tous. Fait que même si on ne le voit pas, c'est nécessaire. Le parallèle que je veux faire entre la pomme, son cœur, et puis nos vies, c'est la même chose. On voudrait peut-être avoir des vies croquantes et juteuses. On aimerait pouvoir avoir une vie qui est débordée de toutes sortes de choses agréables, mais on ne peut pas négliger le cœur. On ne peut pas négliger notre propre cœur.
Et ça, c'est le point de départ important que je veux faire ce matin avant d'aborder la question qu'on va voir dans Colossiens. C'est qu'on pourrait vouloir avoir des bonnes relations, on aimerait pouvoir avoir une vie sans pépins et aucun problème, mais on néglige le cœur. On ne peut pas négliger le cœur de notre relation avec Dieu. Bien qu'on ne mange pas le cœur, il ne faut pas le négliger. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu » et sa justice. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait illustrer? Est-ce que ça veut dire de rechercher le royaume de Dieu? C'est qu'il faut chercher à quelque part un château. Il faut chercher à quelque part, il est où Jésus? Ou chercher. C'est quoi le rechercher le royaume? Le royaume, je pense qu'on peut voir à travers la propre recherche de ce que Jésus a fait. Lisez pas tout de suite le texte, je vous garde en haleine, on va lire dans quelques instants. Mais je pense que ce qu'on peut prendre comme exemple pour voir quand Jésus nous dit « Cherchez le royaume et sa justice », premièrement, là, par-dessus tout, là, votre première préoccupation, cherchez ça. Et c'est de voir comment qu'est-ce que Jésus, lui, cherchait quand il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et ce qu'il cherchait, c'était une relation avec nous. La Bible dit, Jean, un des apôtres de Jésus, a dit, « Mais si on connaît l'amour, c'est à cause que Jésus, à cause que Dieu nous a aimés le premier. » Et c'est pour ça qu'on connaît l'amour aussi. J'aimerais vous suggérer que la recherche du royaume et sa justice, c'est particulièrement les relations. Le royaume de Dieu est constitué de relations. Ce que Dieu a voulu rétablir entre vous et lui, c'est la relation. Ce que Dieu veut restaurer aussi sur la terre, même entre nous, à travers l'Église, quand que Dieu s'adresse aux Colosses, comme Dieu s'adresse présentement à nous, 180, bien, il veut rétablir aussi les relations entre nous. La semaine prochaine, on va prendre ce qu'on appelle la communion ou la table du Seigneur. Mais la table du Seigneur, c'est l'occasion de pouvoir justement sonder nos propres cœurs. Et j'en suis où dans ma relation avec Dieu? J'en suis où dans ma relation avec les autres aussi? Parce que la Bible, Dieu m'enseigne que quand je prends la table du Seigneur, je suis sensible aussi à comment est-ce que je me comporte avec les autres. Le même apôtre, je citais Jean tantôt. Jean, il dit, « OK, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu haïs ton prochain. Tu le portes pas, tu l'as pas, tu as de la misère à le supporter. Mais il y a un problème. » Parce que la façon que tu te comportes dans tes relations révèle ta connexion avec Dieu. Le royaume, j'aimerais vous suggérer que ce n'est pas exclusivement ça, que ça ne se limite pas à juste les relations, mais que une des premières applications de ce que c'est la recherche du royaume, c'est de vivre cette relation-là avec Dieu et de aussi en être influencé dans nos relations terrestres. Quand que j'ai apporté le texte, on peut le mettre maintenant, de 2 Corinthiens 5. Regardez bien ce que ça dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que si quelqu'un a placé sa confiance, sa foi en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Après ça, ça dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Jésus, c'est Dieu qui est venu nous rencontrer et puis son désir, c'était de réconcilier le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu est venu dans la personne de Jésus et ce qu'il nous dit, c'est « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec moi. » C'est ça que je recherche, c'est ça que je veux. Je veux qu'on ait une relation de cœur ensemble. Le but, ce n'est pas de vouloir avoir une vie croquante et juteuse sans Dieu. On ne néglige pas le cœur. Tout découle du cœur, tout vient de là. Cette nouvelle nature que tu es, cette nouvelle création que tu es, les choses anciennes qui sont passées viennent du fait que ton cœur a été transformé, viennent du fait que maintenant ton cœur est en connexion avec celui du Père, avec celui de Dieu. Et c'est là que maintenant il y a une nouvelle transformation, c'est là qu'il y a une réconciliation. Une réconciliation parce que les pépins que j'avais dans ma vie, pour garder l'analogie de la pomme, les péchés que j'avais dans ma vie, le mal que je faisais, faisait en sorte que je suis séparé de Dieu. Je suis séparé de lui. Et Dieu me dit, « Ben, moi, David, là, je t'aime, là.
Puis je veux pas qu'on demeure séparés. Puis en fait, le problème à ça, c'est non seulement on est séparés, mais tu es condamné aussi à cause du mal. Et là, le choix que j'ai fait il y a plusieurs années, j'ai dit à Dieu, « OK, Dieu, je crois en toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce mal. Je t'abandonne ma vie. Prends ces pépins dans ma vie. Prends ce mal qu'il y a dans ma vie. Enlève-le, puis maintenant, transforme-moi. » Et ça a été le début de ce que Dieu a commencé à utiliser mon cœur, là où il y avait les pépins, parce que sont là les pépins. Sont là le problème. Je disais, et je le répète, on cessera pas de le répéter. Les problèmes sont pas tant dans les comportements que premièrement dans le cœur de nos vies, dans nos cœurs, qu'il faut qu'ils soient réglés. Mais quand que je dis à Dieu, Dieu, prends mon cœur, prends mes pépins, prends les péchés, le mal que je fais, que je suis même pas capable d'abandonner moi-même, puis transforme-moi. Mais Dieu prend ce pépin de pomme, puis le transforme, puis devient finalement une nouvelle vie, devient une nouvelle pomme. J'aurais pu prendre l'analogie de l'huître, là, où il y a un grain de sable dans l'huître, et puis Dieu transforme cette impureté, cette chose qui est rentrée pour finalement en faire une perle de valeur. Là où le mal, là où le péché est rentré, là où le mal que l'on a dans nos vies est confié à Dieu, Dieu, là où le mal abonde, la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies surabonde. Et c'est là que c'est transformé. C'est important de commencer par ça, parce que même si vous dites, « Ben oui, moi, ça fait longtemps que j'ai cru ça, que j'ai été réconcilié avec Christ », il demeure que cette bonne nouvelle, elle est nécessaire encore à chacune de nos journées, pour qu'on puisse dire, ben j'en vis encore des pépins, j'en vis encore des difficultés. Et j'ai encore besoin de me confier en Dieu, j'ai encore besoin de dépendre de lui. On mange toute une pomme, puis on jette le cœur. Mais oublions pas que tout, pour nos vies, dans notre relation avec Dieu, tout commence à partir du cœur. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est là que Dieu peut faire une vraie différence. Le péché brise les relations. Quand Dieu est venu, avec le texte qu'on a lu, il nous dit, « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec moi. » C'est ça le désir de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Si vous n'êtes pas réconciliés avec lui, soyez-le. Parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, si le péché brise la relation, la justice de Dieu la restaure. Puis la justice de Dieu, c'est le fait que Dieu, dans sa justice, qui ne s'est pas fermé les yeux sur le mal, a pris son fils qui a donné en sacrifice et la condamnation est tombée sur lui plutôt que sur moi. Donc, j'ai fait cet échange avec Dieu où « Prends Dieu mes pépins et puis moi, je reçois en échange ta justice. Je reçois ton bien. » Donc, Dieu restaure les relations. Dieu guérit les relations. Dieu nous réconcilie avec lui. Cherchez le royaume de Dieu premièrement. Demeurez toujours de cœur attaché à votre Père. Quand vous baissez les yeux, rappelez-vous le cœur de votre amour pour Dieu. Dieu, à un moment donné, dans la parole, il fait un parallèle avec notre marche chrétienne et puis celui d'un athlète. Un athlète qui court dans un stade et puis qui court avec le but de remporter le prix. Qu'est-ce qui peut bien motiver une personne à s'entraîner pour que ce soit la course, que ce soit pour le hockey, on est dans une série présentement, qu'est-ce que ce serait comme motivation pour un athlète de dire, OK, moi, j'engage ma vie à sacrifier, par exemple, des sorties, à sacrifier le fait qu'il faut que je me couche de bonne heure, à sacrifier le fait que je ne mangerai plus n'importe quoi, à sacrifier le fait que l'hiver, je vais sortir dehors pour continuer de m'entraîner. Qu'est-ce qui emmène, c'est quoi la motivation qui emmène cet athlète-là à sortir le seuil de sa porte pour aller souffrir? Parce qu'il n'y a aucun athlète, il n'y a pas personne qui a envie de franchir le seuil de sa porte pour aller souffrir s'il n'y a pas une motivation suffisante qui l'emmène plus loin que ça. Mais je pose le parallèle finalement avec notre marche chrétienne avec Dieu. Quelle est votre motivation à continuer, à avancer quand vous êtes découragé? Peut-être découragé de vous-même, peut-être découragé des gens qui vous entourent, peut-être que vous souffrez, peut-être que vous avez des espérances qui n'ont pas été encore comblées. Et qu'est-ce qui nous amène en tant que croyants de pouvoir continuer de franchir le seuil de la porte pour dire « je continue puis j'avance » Mais c'est parce qu'on garde les yeux fixés sur Dieu. C'est parce qu'en toutes circonstances, notre cœur dépend de lui. Et dire « ben Dieu, j'ai encore des pépins, j'ai encore des difficultés, j'ai encore des choses qui me font souffrir,
mais je garde les yeux fixés sur toi, puis je te fais confiance, puis je dépends de toi. » J'aimerais faire le lien maintenant avec notre texte de Colossiens. Parce que Colossiens, on a vu dans le chapitre 3, différents versets qui nous pointent à ce qu'on est en train de voir présentement. Colossiens 3, versets 1 et 2 dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Trouvez-vous, ça ressemble beaucoup à ce que Jésus disait? « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » C'est un peu la même chose. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Recherchez ces choses-là. Négligez pas le cœur. Mangez la chair. Profitez de la vie. Mais négligez jamais le cœur d'avoir les yeux fixés puis de rechercher les choses d'en haut. Colossiens 3, qui était dans le texte de la semaine passée, « Quoi que vous fassiez », c'est le dernier verset juste avant la section qu'on va lire. Et puis, je vais prendre le temps de mettre la table avec ce qu'on vient de dire pour la suite, parce que la suite va nous rentrer peut-être un petit peu dedans. Il y a des choses qui sont défilées, là. Puis, je vais m'assurer qu'on place les yeux à la bonne place. « Quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou que ce soit en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Ce que ce texte-là, ce verset-là est en train de nous dire, c'est tout ce que vous faites, considérez que vous le faites pour le Seigneur. Les difficultés que vous avez, les joies que vous avez, la vie que vous avez, que ce soit en parole, que ce soit en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en considérant que ta vie, c'est pour lui que tu la vis. C'est ça qui va donner du sens à ta vie avec ton Créateur. C'est ça qui va donner du sens à ta marche sur la terre si tu gardes les yeux fixés sur lui, puis tu ne méprises pas le cœur. Et puis pour une vie croquante et juteuse, tu n'es pas obligé de manger le cœur. Mais si la chair est juteuse et croquante, c'est à cause de ton cœur qui est attaché à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse aller à la deuxième portion, juste avant qu'on lise le texte de Colossiens. On va lire Colossiens à partir des versets 18. Pour une vie croquante, oui, tu peux le mettre. Tu peux mettre l'image juste avant. Pour une vie croquante et juteuse, mords-toi pas les doigts. Il y a un moment donné, j'avais vraiment faim. On est dans le thème de régime protéiné, là. J'avais vraiment faim. Je m'étais fait une sandwich, là, comme j'en avais pas fait souvent. Là. Elle était grosse, elle était. Tu sais, il y avait du stock dedans. Là. Je me souviens plus de tout le stock qu'il y avait, là. Mais je me souviens que j'avais vraiment hâte de la manger. Là. Et puis là, je prends ma sandwich, puis j'enligne ça dans ma bouche, puis je me croque le doigt en croquant ma sandwich. Là, j'ai mal aux doigts, là, puis j'ai mal aux dents. Là, je me dis, voyons donc, ça se peut pas. On va prendre une petite pause, là, puis on va faire un petit meeting. Là c'est quoi le problème? Là? On joue dans la même équipe. Tu sais, les dents puis les doigts, comment ça se fait qu'ils rentrent en compétition? Là? C'est qui a fauté? Là? C'est la bouche qui était trop enthousiaste, qui avait hâte de manger? Ou c'est les doigts qui avaient vraiment hâte de comme pouvoir faire avaler ce sandwich-là? Le corps est une belle image de nos relations qu'on peut avoir sur la terre. On se mord des fois, ou on prend des fois, là, les rénovations commencent, vous allez prendre un marteau, et puis vous allez commencer à clouer à un moment donné, et puis vous allez vous frapper sur le pouce. Comment ça se fait que des fois, je prends ma main droite, puis je me frappe sur le pouce gauche? On est dans la même équipe, là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On manque de visio, c'est les yeux qui ont manqué, c'est le stress des rénovations qui ne fonctionnent pas bien. Quand on se frappe sur le pouce, je ne sais pas si vous remarquez votre propre corps, qu'est-ce qu'on fait normalement? Le marteau, il débarrasse, il s'en va. Là, le cœur, il dit « Attention, parce que ta bouche, elle a envie de dire des mauvaises choses. » Fait que là, tu retiens, tu te mords les lèvres. Et puis là, tout d'un coup, ta main qui a blessé l'autre, bien là, vient tout d'un coup l'entourer, puis d'en prendre soin. Puis là, ce qu'il va faire, c'est que là, ta main qui prend soin du pouce qui a mal, va l'amener proche de ton cœur, va dire hey, « Pauvre petit, ça fait mal. » Puis là, le cœur est tellement compatissant qu'il va même battre dans ton pouce. Il va faire sentir... Il va faire sentir sa présence dans ton pouce. Et puis là, il va dire, on est tout avec toi. Là. Si un membre qui souffle, on va tout être là. Là. On transpire, le cœur bat. Tout le corps est compatissant. Mais nos relations, ce que Dieu a voulu rétablir, ce que Dieu a voulu restaurer, ce que Dieu a voulu guérir, c'est nos relations.
Encore à plus forte raison, si on est dans une église, si vous êtes marié, si vous êtes dans une relation parentale, parent-enfant, et par extension, je vais l'expliquer tantôt aussi, peut-être dans une dimension peut-être un peu moins liée, serrée que la famille, bien, il y a une dimension relationnelle au travail aussi. Donc, Dieu a voulu, dans son désir de nous réconcilier avec lui, bien, que son désir de réconciliation soit vrai aussi entre nos liens. Et là, on tombe vraiment sur le plancher des vaches. Parce que finalement, on se dit, ça s'applique comment? Là? Ça se vit comment, ça, là, le rechercher le royaume? OK, il faut que mon cœur soit attaché à Christ. Mais maintenant, là, on arrive dans Colossiens où on arrive sur le plancher des vaches. Et puis, mais là, voici maintenant ce que Dieu s'attend. Puis si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment dans Colossiens, mais l'importance de garder les yeux fixés sur lui, de dépendre de sa grâce, de renoncer à certaines choses, de se revêtir de certaines choses. Maintenant, on arrive dans les relations. Puis on ne peut pas déconnecter ce bout-là de tout le reste de l'épître puis dire, ah, ben tu sais, c'est des petits versets finalement qui s'adressent aux hommes, aux femmes, aux enfants, etc. C'est comme une espèce de testament où il y a pitché différentes affaires, différentes clauses. C'est pas ça du tout. C'est vraiment attaché à l'importance de nos relations. Et que Dieu va, finalement, l'état de notre relation avec Dieu va se dévoiler aussi à travers les relations. Je vais lire Colossiens 3, les versets 18, jusqu'au chapitre... on va commencer comme ça. On va y aller étape par étape. Dans ce texte qu'on va lire, il y a trois types de relations. Premier type de relation, relation conjugale. Femme, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Là, est-ce que vous avez les oreilles qui saignent? Femme, soumettez-vous à vos maris. Attends un petit peu. Okay, laissez-moi finir. Tu peux te rasseoir, Tim. Je vais tout expliquer ça. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Les versets 18 et 19 nous parlent de relations conjugales et puis 20 et 21 nous parlent de relations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une femme qui se soumet à son mari? Déjà là, on a l'impression de partir avec deux prises, avec ce mot-là, soumission, qui n'est vraiment pas très populaire dans notre contexte. Est-ce que ça veut dire que la femme, quand elle voit son mari arriver, doit apporter les pantoufles, le journal, la bière, et puis lui donner la télécommande, et puis que maintenant, monsieur est rentré, et puis tout est à son service? Est-ce que ça veut dire que quand il y a une soirée de hockey, et puis parallèlement, il y a un film de filles, c'est évidemment, ça va être le hockey qui va passer, ça ne sera pas le film de filles qui... C'est qui? Ça veut-tu dire que la femme n'a pas le contrôle sur la télécommande? Ça se vit comment, ça, sur le plancher des vaches, la femme qui se soumet à son mari? Est-ce que ça veut dire que c'est l'homme qui doit décider exclusivement des dépenses dans le couple, et puis la femme, bien, elle soumet ses idées, puis finalement, l'homme va décider? Est-ce que c'est l'homme qui a le pouvoir absolu, exclusif, sur le barbecue? Sur la tondeuse, par exemple. Et puis la femme, elle, c'est la vaisselle, les couches et l'éducation. C'est ça que ça veut dire, femme, soyez soumise à vos maris. C'est pas ça que ça veut dire. On a tendance à penser, et puis peut-être, évidemment, on entend ça, puis on se dit, ben voyons donc, c'est grossier, puis c'est archaïque, puis c'est passé date. Et puis c'est vrai. Le problème, c'est que le plan de Dieu, je veux juste rappeler ça, le plan de Dieu, c'est de restaurer le couple. Le plan de Dieu, c'est de restaurer. Il dit à la femme, soyez soumise à votre mari, comme il convient dans le Seigneur, mais il dit aussi au mari, aimez votre femme. Le but de la soumission n'est pas un asservissement. Le but de la soumission n'est pas un esclavage. Dieu lui-même déclare que l'homme sans la femme ne peut rien. Dans 1 Corinthiens 11, je ne l'ai pas apporté ce matin, mais 1 Corinthiens 11 dit, et il explique les rôles, parce qu'il y a des rôles qui sont donnés, par exemple, dans la vie conjugale, à l'homme et à la femme, mais il va dire, il va compléter en disant, l'homme et la femme sont égaux. Comprenez bien que quand on parle de soumission, on n'est pas en train de parler d'inégalité, parce que la Bible est la première à défendre, et Jésus a été le premier à défendre, l'importance de l'égalité homme et femme. Puis la Bible va dire, puis je vais profiter pour faire encore une plug pour la fête des mères, bien, la Bible va dire qu'un homme qui pense que finalement, qui est vraiment au-dessus de tout ce qui est féminin et de tout ce qui est femme, doit se souvenir que si ça n'avait pas été de sa mère, il ne serait pas au monde. C'est logique, hein? Fait qu'un homme qui pourrait penser qu'il est vraiment supérieur à la femme, bien, il est en train de négliger sa propre naissance que sa mère lui a donnée. Alors, tout cela fait partie du plan de Dieu où l'homme et la femme sont égaux. Il y a des rôles qui sont différents. Et la soumission est une question, d'abord et avant tout, d'attitude. C'est une question d'attitude dans la relation.
de restaurer la relation. Pierre, il va dire dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 3, il va répéter la même expression, « Femme, soyez soumise à votre mari », mais il va compléter aussi en allant plus loin, en parlant d'attitude, de mise en pratique, ce que ça veut dire, en ayant une attitude chaste et respectueuse. Ça veut dire quoi? Je suis allé chercher sur la plus grande référence du web, Kijiji, pas Kijiji, Kijiji, rien à voir, en passant, j'ai mis une auto à vendre sur Kijiji, si vous voulez aller voir. J'ai réussi à plugger mon char à vendre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas Kijiji, c'est Wikipédia, excusez-moi. Wikipédia. Mais regardez, écoutez bien, c'est vraiment intéressant ce que ça dit. En parlant de chaste, ça ne veut pas dire que la femme donne plus de sexe à son mari, là. Ça n'a rien à voir avec la chasteté reliée à la sexualité. Le chaste, c'est relié à une attitude. Écoutez bien la définition donnée par Wikipédia. La chasteté concerne les relations affectives entre personnes et le bon usage des dons de chacun, tels la beauté, le charme, l'intelligence, la sensibilité. Ces dons peuvent être utilisés pour aider l'autre à grandir à travers une relation libre. Je trouvais ça tellement beau comme définition. Une attitude de cœur chaste et respectueuse envers son mari, chaste. Puis même Wikipédia parlait aussi dans la définition qui avait été donnée de Jésus. Jésus étant chaste par son attitude envers les personnes rencontrées, pleinement attentif à celui qu'il rencontrait, l'aimant avec son affectivité d'homme, rejoignant l'autre pour le faire grandir et avancer dans sa foi. La vertu de chasteté comporte l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. Elle devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne. Cette idée de soumission, c'est une attitude de la femme envers son mari de respecter, d'honorer, de prendre soin, de faire du bien, d'accompagner. On aurait pu citer le proverbe 31, là, et puis le proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse, c'est une attitude d'honneur. Dans ces trois types de relations qu'on voit, que ce soit conjugal, familial ou maître et esclave, qu'on va appliquer, contextualiser pour nous aujourd'hui de employé, employeur, bien, il y a un même dénominateur commun, une même problématique commune qui est une guerre de pouvoir. Une guerre de pouvoir dans la vie conjugale où l'homme va dominer la femme va chercher à dominer l'homme, vice-versa, dans les rôles parents et enfants. Le père va vouloir dominer ou écraser son enfant va vouloir se rebeller. Puis même Paul va dire à Timothée, dans les derniers temps, les enfants seront rebelles, irréligieux, etc. Donc, il y a cette guerre de pouvoir, et puis même entre employés, employeurs encore aussi. Et puis, mais il y a une solution commune aussi, qui est l'honneur, qui est le respect. L'homme doit aimer sa femme. La femme se soumet dans une attitude de chasteté, de respect, où elle prend soin de son mari, puis elle l'élève. Je ne vais pas aller trop vite, mais j'ai apporté quelque chose aussi. Une bouteille de vin, puis du vinaigre. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Je ne suis pas spécialiste de vin, là. Je ne connais pas beaucoup ça. Mais je sais que, comme tout le monde, que certains vins peuvent vieillir et en vieillissant, prendre finalement de la maturité et devenir encore meilleur, de mieux en mieux. Mais vous savez, à un moment donné, un vin peut mal tourner aussi. Et là, il va devenir aigre. Vous savez ce que c'est un vin aigre? C'est du vinaigre. Alors, un vin aigre qui est devenu du vinaigre, on n'a plus envie de le boire. Il n'est pas buvable. On va faire du vinaigre balsamique puis on va mettre ça un petit peu dans notre salade. Mais il n'y a pas personne qui va en boire un verre. Comment est-ce qu'on est en train de développer notre relation dans cette application-là conjugale, mari? Quelle attitude est-ce que vous avez envers votre femme? Est-ce que vous avez une attitude de « je suis tanné, là, tu sais, elle m'énerve ». Elle chiale tout le temps, elle a trop d'émotions, elle dépense trop. Quels sont les discours intérieurs que vous avez par rapport à votre femme, même si vous ne les sortez pas? Quels sont les discours dans votre cœur et qui sont tranquillement en train peut-être de vous aigrir?
Mais vous savez, il n'y a pas personne qui aime ça boire un verre de vinaigre. Et si vous êtes en train de vous aigrir, vous êtes en train de polluer l'atmosphère dans votre maison, de polluer la relation même avec votre femme aussi, parce que vous êtes en train de devenir aigre. Et ça, et tout le monde le voit, tout le monde le goûte dans la maison. On peut le ressentir. La même chose pour la femme. Si il n'y a pas cette attitude envers son mari, si elle a des pensées, par exemple, si vous avez des pensées dans votre cœur de il n'est pas capable, il ne se qualifie pas, je lui donne des choses et puis il n'arrive pas à le faire comme il faut, il est en retard, ou peu importe quel est votre discours intérieur, il va y avoir aussi cette tension qui va devenir de plus en plus difficile. Maintenant, quand que Dieu il dit « Marie, honorez votre femme comme devant aussi hériter de la vie qui s'en vient », c'est ce que Pierre dit, ce qu'il est en train de dire, c'est « J'en ai cherché un à la maison puis j'en ai pas ». Mais imaginez un vase. Parce que moi, j'ai 4 enfants à la maison, dont 3 garçons, puis des vases. Oubliez ça. On ne pourrait pas avoir ça. Mais on a quelques cordes, puis même encore là, c'est tout en train de tomber puis de casser. Fait qu'on a presque rien, finalement. On vit comme des Chinois chez nous. Il n'y a même plus de meubles, rien. Bref, j'ai essayé de trouver un vase. Puis, tu sais, vous pourriez imaginer un vase d'honneur, un vase là, qui est précieux, que vous auriez payé plus que 2,95 fabriqué en Chine, là. Mais que vous auriez pris, et puis que, évidemment, vous en prenez soin ici, de grande valeur pour vous, vous ne le laissez pas à terre, de peur qu'à un moment donné, quelqu'un passe puis donne un coup de pied puis qu'il se brise ou quoi que ce soit. Mais un vase d'honneur, quand on veut honorer finalement sa valeur, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend et on le place en hauteur. Et on en prend soin, on expose sa valeur, on expose sa fragilité, on protège sa fragilité aussi. Mais c'est la même chose dans une relation. Et dans toutes formes de relations, c'est cette idée d'honneur où on prend, puis on élève, on prend soin, plutôt que d'avoir le discours intérieur de mépris, de difficulté envers notre conjoint, notre conjoint. Fait que cette attitude d'honneur, c'est ce que Dieu nous encourage à pratiquer. Il y a une maman dans la salle, hein? Bonne fête des mamans. Toujours fidèle au poste. Bref, je veux compléter sur cet aspect-là de relations conjugales. Je veux inviter les musiciens aussi pour apporter la conclusion. Dieu nous encourage. Femmes, ayez cette attitude de soumission envers votre mari, de respect, d'honneur. Peut-être que vous allez vous dire qu'il ne le mérite pas. Peut-être que vous pourriez vous dire, ma femme ne le mérite pas. Peut-être que vous allez dire, enfant, vous habitez peut-être chez vos parents, puis vous dites, mes parents sont vraiment irritants, sont vraiment exaspérants. C'est vraiment lourd, c'est vraiment difficile. On peut irriter nos enfants, père et mère, de différentes façons. Hein. On peut en mettre trop lourd sur leurs épaules, on peut les exaspérer, on peut être dur à leur égard, ou on peut aussi être absent. On peut être négligent, qui serait une autre façon aussi de les décourager ou de les exaspérer si on ne leur montre pas justement une présence, comme ce que Paul va dire dans Éphésiens, de les enseigner, de les entourer pour en prendre soin. Peut-être que vous n'êtes plus chez vos parents, vous êtes d'âge mature, adulte, et puis, mais vous avez toujours, on a toujours ce rôle d'honneur envers nos parents. Encore une fois, est-ce que mon père ou est-ce que ma mère le mérite? Mon père, il était absent toute sa vie. Je ne suis pas en train de partager quelque chose de personnel, là, mais c'est juste pour donner différents discours. Peut-être que vous dites, mon père a été absent toute sa vie, ma mère m'a abandonné ou ma mère m'a fait ci ou m'a fait ça, ou peu importe, puis tu me demandes vraiment d'honorer mes parents? Ils ne le méritent pas. Mais j'aimerais qu'on puisse se rappeler que ce que Dieu nous demande, c'est de garder les yeux fixés sur lui. C'est de dire, Dieu, même si j'ai des difficultés dans ma vie, même si j'ai des pépins, même si j'ai encore des difficultés à aimer ma femme ou mon mari, si j'ai de la misère à élever mes enfants, mais je garde les yeux fixés sur toi parce que c'est à toi que je veux crier. C'est à toi que je veux solliciter de l'aide. Et c'est de toi que je veux être encouragé puis avoir ton intervention. Et maintenant, je vais honorer ma femme. Je vais honorer mon mari. Je vais prendre soin de mes enfants par la grâce de Dieu. Ou je vais honorer mon père, pas sur la base de leur mérite, mais parce que je cherche le royaume et sa justice. Même si j'ai vécu des injustices, c'est celle de Dieu que je cherche. C'est celle de Dieu que je veux. Et ce que Dieu me dit, c'est « David, honore-les. » Honore les gens autour de toi. Aime-les. C'est mon plus grand commandement, David. Aime-moi, puis aime ton prochain. C'est ce que Dieu il nous dit ce matin. Et pas parce qu'il le mérite. Puis si vous avez de la misère à pardonner votre prochain, rappelez-vous ce qu'on voyait dans Colossiens la semaine passée. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ
vous a pardonné. Gardez les yeux fixés sur ce que lui vous dit, sur ce que lui a fait. Et puis, si vous avez de la misère à rendre justice, même quand vous vivez une injustice, souvenez-vous ce que Dieu a fait pour vous. En disant, Dieu, mon cœur est attaché à toi. Et si je pardonne, si j'honore, si j'élève, si je respecte, si je continue d'aimer ma femme sans maigrir, si je continue de me soumettre à mon mari, même s'il ne le mérite pas, c'est parce que j'ai confiance en toi. Parce que tu ne te trompes pas. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Que ce soit, quel que soit le mari ou la femme ou les enfants ou le père ou la mère que tu es ou que tu as, quel que soit l'employeur, j'aimerais conclure justement par ces derniers versets-là pour prendre ce qui est dit aux esclaves et aux maîtres, pour se rappeler encore où placer les yeux. Esclaves, on pourrait le contextualiser pour nous aujourd'hui dans notre contexte. Obéissez en tout à vos maîtres terrestres, pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Parce que c'est qui notre maître? C'est qui notre patron? C'est qui à qui notre cœur est attaché? Verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Pas parce qu'ils le méritent, parce que je vous le demande, que Dieu nous dit. » Verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le maître que vous servez, c'est Christ. Gardez les yeux fixés sur lui. Mais celui qui agit injustement, savez-vous ce qui pouvait se produire avec les esclaves à l'époque? Ils n'avaient pas d'héritage. Hein? Ils n'étaient pas des fils. Ils vivaient dans la maison avec un maître, mais ils n'avaient pas d'héritage. Mais Dieu leur dit, « Vous vivez des injustices, mais gardez les yeux fixés sur moi. » Servez votre maître comme si c'est moi que vous servez. Et moi, je vais vous récompenser. Moi, j'ai un héritage pour vous. Et si vous vivez des injustices, répondez pas par une autre injustice, parce que notre cœur humain répond au cœur de l'homme aussi. Quand on vit une injustice, on a envie de répondre par une autre injustice pour se faire justice. Mais cherchez le royaume de Dieu et sa justice, pas la vôtre. Mais celui, verset 25, qui agit injustement, qui rend une injustice par une autre injustice, recevra le salaire du mal qu'il a fait de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Et maître, il y a un message aussi pour les boss. Accordez à vos esclaves ou à vos employés, pour contextualiser aujourd'hui, ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Que vous aussi, vous avez quelqu'un à qui rendre compte. Soyez juste et équitable. Je veux conclure avec ça. Nos relations révèlent l'état de notre connexion avec Dieu. Dieu veut que vous découvriez la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, elle est abondante, elle est juteuse, elle est croquante, elle est savoureuse. Gardez d'abord et avant tout votre cœur attaché à Dieu. Quand vous allez vivre des pépins, vous allez souffrir, vous allez être tanné, vous allez avoir envie d'abandonner, criez à Dieu. Crie pas après ton prochain. Crie à Dieu. Dis-lui, Dieu, je souffre. Dieu, je vis de l'injustice. Je suis plus capable. Crie à lui. C'est une façon de lever les yeux vers lui. Puis quand tu cries à lui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance dans ce qu'il te demande. Il va te le dire. Honore, aime. Prends soin, parce que le fruit de mon esprit, c'est la paix, l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance. C'est ce caractère-là que je veux que tu aies dans ton cœur envers ton prochain, pas de la dureté. Fais confiance à Dieu. Si tu as une difficulté dans ton couple, si tu as une difficulté dans ta famille, crie à Dieu. Demande son intervention. Laisse-le agir. Prie. Attends. Espère après lui. Dieu est le seul, retenez bien, Dieu est le seul à pouvoir transformer les cœurs. Dieu est le seul à pouvoir transformer ton propre cœur. À pouvoir transformer le cœur de ton prochain aussi. Espère en lui. Puis attends-toi à des grandes choses parce que Dieu est le Dieu de la transformation. Celui qui aime faire du bien. Dieu, on te loue ce matin parce que tu es le Dieu vivant
qui s'attache à nos cœurs pour nous donner la vie abondante. Quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir sur terre présentement, Dieu, ça ne change pas la réalité qu'au fond de nos cœurs, tu déverses une vie abondante, croquante et juteuse et savoureuse. Dieu, on prend le temps de lever les yeux vers toi et de crier à toi, te dire qu'on a besoin de ton aide parce que tu as révélé ta justice, tu as révélé ton amour, tu as révélé ta patience. Et tout cela pour qu'on puisse être réconciliés avec toi, mais restaurer aussi nos relations entre nous. Dieu, nos relations terrestres révèlent notre connexion avec toi. Montre-nous là où on a besoin de se reconnecter. Montre-nous là où on a baissé les bras, Père. Puis si on veut saisir ta main et s'attendre à toi. Dieu, bénis cette assemblée. Que ta puissance soit sur nous. Que par ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ, que ce qui nous empêche d'avancer pour toi soit brisé. Donne-nous la victoire dans nos vies. Donne-nous de pouvoir expérimenter ces relations que tu veux. Un amour sincère dans lequel on veut se recouvrir, qui est le lien parfait. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on puisse goûter la vie en toi. Qu'on puisse saisir qui tu es. Amen.